Ok, je vais vérifier que tout était en place. C'est nickel. Bon. Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle partie sur ce bon vieux Shenmue. Où nous allons tenter de continuer l'aventure. Sur cette magnifique chaîne de Mister Coca. いつもすまないな、兄さん。33, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Bien, allons de Buita sans plus tarder. Oh, il pleut encore, sans déconner. Il pleut tout le temps. Ok, on a de Buita. On va prendre le bus. Comment on court déjà dans le jeu? Pourquoi il veut pas courir? Nos amis ont parlé de sentiments et qu'en est-il des miens? Ça, on s'en fiche. On n'en est pas là. On en est à un certain Goro m'indiquait. Ah, il y a peut-être une autre entrée. On en est là. Parce que là, si on parle aux habitants, là, ils disent quoi? Vas-y, je parle à toi. Oya-san. Oh, aikawarazu genkisou da na. Pas grand-chose. Pourquoi on peut pas courir? Ah, voilà, cette touche. Je me demandais aussi. On cherchait justement quelqu'un qui était dehors pour voir ce qu'il a à me dire. Shinkichōji-san. Yo! 忙しいですか？そこそこだよ。それにしてもいつも寒くてたまんねえな。そうですね。じゃあまた。お、そんじゃな。OK. Les échanges vraiment des banalités, hein. Donc il faut vraiment aller au port. Ça, c'est certain. Pile poil à l'heure. On arrive, le bus arrive pile poil là. Nickel. Bon, on dépense un peu de fric. Mais c'est la vie. Bon, y a-t-il du nouveau? C'est quand même la grande question. Y a-t-il du nouveau? Que l'homme qui voulait son café veut toujours son café. Ah oh, une cigarette. どうしたんすか？なんだ、お前か。ちょっとな。お困りなら、この五郎に何でも言ってくださいよ。そうか。なら、頼みがある。Faire une distraction, c'est bien. Oh, carrément. C'est bon, il faut filer à l'intérieur. Okay. Merci les copains. ここに何か手がかりがあるはずだ。C'est le but, hein. On doit trouver des infos. Rien ici. Faut aller à l'étage ou quoi? Peut-être qu'il faut aller à l'étage. C'était ça. Ah, il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? Ah, 本当だ。
あれだけ間違わないでくれって言ってるのにな。ちゃんと急走庫が駅って書いてあるのに、どこ見てんだか。悪いけど向こうの第八倉庫に連絡してくれる。わかりました。ここの他にも第八倉庫があるのか。はい、よし、旧倉庫街を探してみるか。OK、 on a une information de plus. Je le trouverai. L'autre est dans le Old Warehouse District. Ben ouais, mais... Très bien, mais ça veut dire quoi? Et du coup, est-ce que les autres nous ont aidés parce qu'on est des manchots et que on n'a pas trouvé comment faire? Il y avait plusieurs moyens d'y arriver, c'est la question. On va questionner les gens. C'est le Old War District. Celui-là route juste après l'entrée du port et c'est sur ta gauche. C'est clairement pas là où je suis. Genre, l'entrée du port c'est là, donc c'est par là. C'est là. Je sais pas, faut demander. それなら反対側ですよ。Totalement l'objet. 一度入り口の方へ戻らないと。D'abord, devoir retourner. そうですか。OK. Totalement à l'opposé. Bon, mais écoutez, ils disent de revenir à l'entrée, on va revenir à l'entrée. Pas se mentir. Et c'est ce qu'il faut faire, on va le faire. Ouais, j'aime bien chez Mousse, c'est un jeu calme, apaisant. Alors, l'entrée du port, c'est par là, donc il faut aller par là, a priori. Et après, ils avaient dit, c'est sur ta gauche. Est-ce que c'est là? Est-ce que ça serait ici? Bonjour, monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? 旧倉庫街のことでちょっと聞きたいんですが、旧倉庫街。これはまだ新地なもんで、この倉庫以外は全然知らないんですよ。そうですか。あ、ちょっと許可がないのに入っちゃダメです。Okay. さあ出てください。Très bien. Bon, c'est peut-être plus loin. Peut-être plus par là.18. Il disait, tu vas là et tu tournes à gauche. A priori. Ah, mais Tom, tu fais là, mon petit. Tom. Hi. Aikawaraz genki so da na. Tom wa every time powerful, ne? Komatta koto attara?Nandemo Tom ni. Bah ouais, là, j'ai justement besoin d'un coup de main. Yeah. Hey Rio. Dodai. Hey Rio. Tom wa komatta koto. Arigato. Bah bon d'accord. Et toi? Hani-san. Hi. Hani-san. Onaka kohi demo. Yeah. Ma. Ok. Bon, bah, très bien. Tu peux pas m'enseigner toi? Nan desu ka?旧倉庫街のことを聞きたいんですが、うちの管轄外だからね、旧倉庫街のことは知らないよ。ジュリディクション。そうですか。C'est pas vous qui surveillez l'endroit. Mais bon, a priori, c'est par là. C'est là? ここに入るには関係者以外は入れないよ。すいません。
ここに入るには規則だと通せない。ああ、ちょっと。J'en ai où ? 許可がないのに入っちゃダメだよ。出てってくれ。Je sais pas, on est où ? 夜を待つか。Faut attendre la nuit. Ouais, mais c'est bon. Trop de galles le jour, mieux vaut attendre la nuit. D'accord, donc c'est bien ici quand même, le Old Warworld District. Ouais, mais on y dit quelle heure ? Ouais, il n'est pas encore tout à fait midi là. Faut attendre jusqu'à 19h en plus. Bon, mais écoutez, on va attendre jusqu'à 19h. C'est le jeu de l'attente, hein, faut être patient aussi. C'est un jeu qui me stresse en plus. À chaque fois, je suis là en mode vite, 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 il faut que je me dépêche à aller à l'objectif, quoi. Et en fait, on va prendre du temps. Là, sinon on se retrouve comme des débiles. Il est beau ce bateau. Je pense pas que sur Dreamcast on le voyait aussi bien. M'étonnerait même. Bon, après l'eau a un petit effet lié, effet dégueulasse même. Dans Spyro, ils avaient mieux refait l'eau quand même, dans le remake. Après, ce n'est pas un remake, c'est un remaster. Il ne faut pas confondre remake et remaster. Un remake, tous les graphismes sont refaits de A à Z. Un remaster, ce n'est qu'un filtre HD qu'ils mettent sur les graphismes de base. Voilà, ce qui fait que le jeu est un peu plus joli que le jeu de base, mais ça reste quand même les graphismes dégueulasses de l'époque. Mais bon, des fois je trouve ça son charme, et puis des fois je trouve que les remasters actuels, par exemple Spyro, hein, celui-là qu'on fait, y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien dans les remasters au niveau graphique. Après c'est con, hein, mais c'est certainement un peu de nostalgie qui parle. Mais, des fois un jeu, on aime bien ses petits défauts graphiques aussi. Et ne plus les avoir, épurer complètement le jeu, ça fait mal. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous, vous êtes beaucoup à me dire quand est-ce qu'on fait Spyro 3 et quand est-ce qu'on fait Gravity Rush 2. Après Shenmue 1, après Shenmue 1, Dragon's Dogma, on fera la suite, c'est promis. Kingdom Come aussi. Voilà, voilà. C'est un peu le jeu où je peux faire des annonces aussi. Tellement s'ennuie. La quatrième partie, je suis quand même parti me faire à manger. Je suis revenu et tout était nickel. Hein. C'est dire, c'est dire. Parle un petit peu doucement aussi parce que nous sommes la nuit. Voilà. L'autre fois nous étions la journée. Simplement. C'est des mouettes ou des goélands, vous pensez? Quelqu'un connaît la distinction entre mouettes et goélands? Je ne saurais pas dire.
Cassette, on n'a obtenu aucune. Parchemin non plus. Vous voyez, maintenant, dans un jeu moderne, on mettrait une option passer le temps, entre guillemets. Et là, à l'époque, bah, il n'y avait pas ça. Donc on était obligé de prendre son mal en patience, ce qui fait des gros vides. Que voulez-vous que je vous dise? Mettez en x2, et voilà ce que je peux vous dire. Si vous n'avez pas déjà skippé ce passage de l'ennui. On peut s'amuser à prendre le bus et à revenir. Hein. Ça pourrait faire passer peut-être plus le temps. Tom, il est partout, quoi. Il est là, il est à Dobuita. Il est partout, le mec, il est à l'aise. On peut pêcher, peut-être. Je vais me faire écraser par un transpalette. Je fais la course avec lui. Attention, je vais éternuer. J'ai baillé. Je sais même pas si on est en weekdays, en Saturday ou en holidays. Si on est en holidays ou en Saturday, on devrait avoir un bus maintenant. Sinon, c'est qu'on est en weekdays. Toute logique. En plus, c'est le bus scolaire, quoi. Genre, le bus scolaire, il te dépose au port. Tout va bien. Le bus arrive dans 5 minutes. Je fais ça pour perdre du temps, j'espère que vous l'avez compris. A priori, on devrait perdre au moins une bonne demi-heure, voire une heure. Le bus arrive maintenant. Je dis maintenant. Merci bus. Ouais, mais on perd du temps, mais on perd de l'argent aussi. J'ai oublié ce petit détail. Bon, après, on a tellement du fric. 2h24 de l'après-midi. On a perdu 24 minutes. C'est pas énorme. Donc le prochain bus arrive dans 6 minutes, c'est ça? Eh oui,
Parce que c'était bien de faire des trucs comme ça avec des horaires. Mais il va falloir m'expliquer comment il peut être là-bas à 15 et à 45 là. Moi, ce que le parcours du bus soit exactement symétrique, quoi. C'est flippant, ce bus qui arrive toujours à l'heure. Hop. On met encore un peu de sous-sous. Bon, après, on perd du temps, mais... Est-ce qu'on en perd tant que ça? Je ne sais pas. Effectivement, on a perdu une heure, mais... Il est 15h. Il va y avoir encore un autre bus. A priori. Ouais, mais comme il n'avait pas fini de popper, mais il est malin. Malin, le lynx. Bon, on va aller attendre là-bas de toute manière. Ça sert à rien de porter ici. Allez, on court. Non, on peut y aller à pied. On va marcher, on va prendre bien notre temps. Oula, mais qu'est-ce qu'il me fait? Prends bien notre temps. On va aller dépenser des sous-sous, on va boire un jet de cola. Peut-être qu'on aura une canette dorée, qui sait. On va prendre de l'orange fraude. Elle est jaune ou pas? Pas du tout. Oh. Bon soda. Ouais, c'est bon. Ça fait plaisir à la machine à soda. Allez, on reprend un soda. Un, c'est jamais assez. On va prendre un jet soda. En gros, un Schweppes. Ce n'est pas non plus une canette jaune. Je sens le pouvoir m'envahir quand je bois cette canette. Je sens. Et après tout soda, qu'est-ce qu'on va boire? Eh bien, on va prendre un café, bien évidemment. Je vais boire du café aussi. C'est important, le café. Café en canette, quand même. Du café froid, parce que honnêtement, je sais pas comment ils peuvent faire chauffer la canette. Ça me paraît sidérant. Oh, c'est bon! Cette canette de café! Bon. Okidoki, mais. Heures, quoi.
16h.